Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des paluches et des bouquins. Alors aujourd'hui, nous accueillons Gilles Lartigot. Comment vas-tu, Gilles? Je vais très bien parce que je suis très heureux d'être avec toi sur ta chaîne. Tu sais que c'est une chaîne auquel je suis abonné. Je Eh te oui, regarde souvent. oui. Encore félicitations pour l'émission. Je ne sais pas si elle sera diffusée juste après, mais celle que tu as faite donc avec Xavier Moreau, Lucien Cerise, La bref, grande. Pierre-Antoine Plaquevent, ouais. Oui. Était incroyablement enrichissante. Voilà. Bon, Donc, je suis très c'était le. honoré d'intervenir sur ta chaîne. Eh bien, je te renvoie l'appareil, hein. Tu m'avais invité récemment et donc je crois que tu mettras bientôt en ligne en public sur ta chaîne Hit Club. Nous avions fait un top 10 des livres, enfin des livres que je trouvais pertinents ou cultes. C'était difficile comme exercice, je ne te cache pas, puisqu'il y en a beaucoup en vérité. Et je te remercie de cette invitation, c'était vraiment bon de pouvoir s'exprimer. C'est vrai que je m'exprime quasiment jamais, hein, mais sur le sujet, j'étais très enthousiaste, notamment on a parlé bibliophilie. Donc ça, c'était. Enfin, je te C'est un remercie de m'avoir domaine. donné la parole. Ben, je te remercie de m'avoir donné la parole. C'est très important. Alors avant de démarrer, je vais faire quelques propos. Donc, notamment Tipeee, je remercie toutes les personnes qui régulièrement font des dons. C'est très important. Le nerf de la guerre, c'est le pognon, vous le savez. Donc, il faut nous aider régulièrement parce qu'on fait ça vraiment de façon bénévole, si je puis dire, hein. On ne cherche pas le côté lucratif. L'important étant que vous amenez tous à la lecture. Car par la lecture, vous vous émanciperez, c'est certain, et notamment par des lectures bien précises, bien spécifiques, au travers de nos invités. Et nous avons aussi la chaîne Odyssée. Donc Odyssée, c'est bien, je vois que la chaîne augmente, augmente, augmente en termes de vues, en termes d'abonnés. Poursuivez votre migration, mais on est sûr de ne pas avoir de censure sur Odyssée. C'est une plateforme qui reste stable sur ce sujet. Telegram, je relaie des sujets fort intéressants. Donc, ça peut être en général des articles qui peuvent provenir de Strategica. Donc, n'hésitez pas à aller voir le site strategica.fr. Je faisais aussi des vidéos de manifestation, vidéos sur le marché du livre ancien, libraire, bibliophile, et j'en passe. Je relaie aussi toutes mes vidéos dessus. Instagram, le fameux Instagram dont je ne comprends toujours pas l'utilité. Je poste régulièrement des photos d'ouvrages tels que ceux que vous pouvez trouver derrière moi dans cette bibliothèque, donc du beau livre, du livre-objet, afin de vous donner l'envie de lire. Et puis je vais enchaîner aussi sur un compte Instagram, un compte qui, lui, on va dire plutôt elle, comprend très bien. L'utilité, les tenants, les aboutissants de ce compte, il s'agit de Philanthropiste Librairie, qui n'est autre que Marie Souilla. Je vous conseille de vous abonner vivement à son compte, elle traite de sujets assez pertinents, dirions-nous, on va dire d'actualité, et toujours sur un ton très, très grinçant, très goguenard, c'est le ton, c'est très bon. Allez vous abonner, c'est juste en dessous, en lien dans la description. Petit aparté aussi concernant mon roman, donc, qui se nomme Le goût du silex, qui est sorti aux éditions du Verbe Haut, préfacé par Pierre Hilard. Nous avions fait une émission avec justement Pierre Hilard et Marie Souilla il y a à peu près 2 semaines. Allez la voir, vous en saurez plus concernant le contenu, surtout la démarche d'écriture de ce livre. N'hésitez pas à vous le procurer. Vous pouvez le trouver juste en dessous dans la description sur le site de l'éditeur. Vous pouvez le trouver. Il est distribué vraiment partout, même au Benelux. Donc, vous pouvez le trouver à la Fnac, des sites, n'importe quelle librairie ou le commander auprès de votre libraire, et ils l'auront. Voilà. Désolé pour les bafouillements. Alors, revenons à nous. Gilles, tu viens notamment pour tes deux ouvrages. Donc, nous avions le premier qui était Hit, qui est sous-titré Chronique d'un fauve dans la jungle alimentaire, qui est aux éditions Winterfield. Et Hit 2, que tu avais sous-titré Des morts et des vivants. Alors, celui-ci a fait un carton.
si je ne m'abuse. Je crois que c'était à peu près 100 000 ventes, c'est ça? Je dis pas le nombre en fait. Tu ne dis Je pas, peux mais. pas, que tu le gardes en fait. Ça, Mais c'était énorme. Il me semble c'était quand même un best-seller. Hein. oui, c'était énorme, mais je reste discret sur le nombre D'accord, de très bien. ventes. Alors, on ne sait pas. Comment te définirais-tu? C'est là que j'ai du mal à te Tout définir. simplement comme un auteur, en fait. Je suis un auteur, je suis également aujourd'hui un producteur de contenu. Mes spécificités sont l'alimentation, notamment cette alimentation moderne, cette alimentation toxique, ce lien entre alimentation et développement de nos maladies dites de civilisation, hein, les maladies modernes telles que le cancer, le diabète, etc. Plus largement, avec le tome 2, sur des problèmes sociétaux liés au développement de notre société depuis, je dirais, l'après-guerre. Voilà. Donc, je fais un focus aujourd'hui sur l'ingénierie sociale. Je suis un passionné des médias puisque c'était aussi mon métier. J'ai travaillé dans ce domaine-là. Comment aujourd'hui les médias fabriquent l'opinion? Comment cette dictature de l'information s'est emparé en fait des cerveaux disponibles. Hein. Tu te rappelles la phrase de Patrick Lelay, donc il disait que TF1 vendait du temps de cerveau disponible à Coca-Cola. Donc voilà, les médias aujourd'hui, c'est un des je pense que c'est le premier des pouvoirs qui possède les médias aujourd'hui possède l'opinion, et l'opinion fait des rois. Hein. C'est l'opinion aujourd'hui, c'est les personnes qui votent et qui vont mettre en place des personnes élues avec un système donc, de démocratie indirecte. Et ces personnes élues ont la tâche de nous gouverner. Voilà. Donc pour moi, un des principaux je dirais, dangers aujourd'hui, c'est cette omniprésence des médias mainstream dans l'opinion. Alors que c'est ce que tu essayes un peu de contrebalancer ça avec le Hit Club, hein, avec tes invités. Tu peux nous parler un petit peu de ta chaîne, c'est une chaîne privée. Donc, qui n'est pas en libre accès, il faut, je crois, s'y abonner. Oui, parce que c'est mon travail, donc je ne travaille pas gratuitement. Je pense que tu Voilà, le donc tu as raison. comprendras. J'ai créé cette chaîne au début, en fait, du confinement, lorsque les livres ont été. La vente, je dirais, s'est ralentie parce que malheureusement, les libraires et puis les services en ligne étaient coupés. C'était le premier confinement, hein, mars 2020. Et donc, l'actualité me préoccupait. Je travaillais énormément là-dessus. Je suis toujours en phase d'écriture. Hein. Moi, j'écris tout le temps. Donc, il y a un troisième livre en prévision. Mais depuis 2 ans, je me consacre à produire des émissions quasiment au quotidien sur plein de thèmes, hein, que ce soit l'alimentation, que ce soit aussi l'économie, la politique, etc. Et donc, c'est un club en fait, qui a aujourd'hui 2 ans d'existence avec plusieurs centaines de membres qui me permet justement de financer mon travail. Et de produire du contenu actualisé avec des analyses sur les événements qui font l'actualité. Tu as des émissions assez éclectiques, hein, puisque avant parler de culture, il y a la place concernant le livre, la musique, tu parles de jeux vidéo aussi, il y a certaines analyses, tu as des invités assez pertinents qui connaissent le sujet, qui font partie des milieux en question. Le dimanche, tu as aussi une émission à plusieurs, dont Marie Souilla avait été invitée, je me rappelle. Vous aviez Ouais, l'intérêt traité. de ces émissions, c'est qu'elles ne sont pas diffusées en public. Je reste dans un domaine enfin, privé. Voilà. Donc, c'est une enceinte privée. Et les propos donc, sont libres. Voilà, on n'a pas de langue de bois parce que j'ai eu plusieurs avertissements sur YouTube, ben, tout comme toi. J'ai pu sauver ma chaîne, qui est quand même une chaîne généraliste, hein, qui a 10 ans d'existence. Donc, voilà, les propos. Sont libres parce qu'ils ne sont pas diffusés dans le domaine public. Donc, voilà, ce sont des émissions qui sont plutôt pertinentes, qui s'adressent pas forcément à des initiés. Hein. L'accroche du Hit Club, c'est comprendre la société pour ne pas la subir. Et pour comprendre la société, bon, il faut commencer à aller chercher l'info par soi-même.
et être très polyvalent parce que tout s'imbrique. Alors, on ne peut pas aujourd'hui être un spécialiste d'un seul domaine. Je pense qu'il faut, il faut être comme ça, avoir une pensée plurielle et multiple pour réellement comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui. Donc, pour revenir à tes écrits, notamment le premier hit, donc on l'aurait dit qui a été vraiment un best-seller, qui était quand même un ouvrage de référence, quelle est sa genèse? Comment ça t'est venu d'écrire cet ouvrage et peux-tu nous parler un petit peu des thèmes abordés à l'intérieur? Les thèmes abordés sont l'exploitation des animaux, notamment dans l'alimentation, le développement de toute la nourriture industrielle, notamment depuis les années 80, cette dérive qui également est devenue une dérive sociétale, parce que dans les années 80, beaucoup de femmes ont fait travailler, les hommes bien sûr également, n'avaient pas beaucoup de temps. Il y a les industriels qui ont commencé à travailler avec des grands chefs, notamment Bernard Loiseau, je ne sais pas si tu te souviens, qui a Et oui, très travaillé bien. pour Waco, tu vois, Bocuse qui avait travaillé, je crois, pour lui, William Sorin. Et en fait, il y a eu tous ces plats préparés où on mangeait comme ça à la demande. Voilà. Lundi, c'était chinois, le mardi, c'était indien, le mercredi, c'était espagnol, tu vois. Donc, on était en fait au restaurant, à la maison. L'avènement du four à micro-ondes également. Donc, toute notre alimentation réellement s'est modifiée, a changé de par l'offre que nous offraient justement que nous proposaient les industriels de l'agroalimentaire et le manque de temps, puisque deux personnes dans le couple travaillaient pour payer le loyer et puis les frais quotidiens. Donc, on avait moins de temps pour s'occuper du foyer et notamment s'occuper de l'alimentation et de cuisiner, de préparer ses propres repas. Donc voilà, ce livre le premier parle vraiment du problème de cette dérive de l'alimentation dans cette société moderne. J'ai travaillé avec le professeur Martin, Pierre-Marie Martin, qui a participé à la découverte des perturbateurs endocriniens, donc ce sont les molécules toxiques. Qui perturbent en fait voilà, tout notre organisme, qui sont la cause de beaucoup de maux et de maladies modernes. Et donc, ce lien avec le milieu médical, parce que moi, je n'ai pas de formation là-dedans, je suis vraiment un autodidacte, puisque les enquêtes ont débuté avec notamment la protection animale, où je me suis rendu dans des élevages industriels, des abattoirs, où je me suis rendu compte en fait, de l'exploitation des animaux et surtout de la dérive au niveau de la qualité de notre nourriture. Donc, c'est un livre qui a très bien marché parce que c'était le début des enquêtes hein, de L214 avec ces images hein, dans les abattoirs, etc. Malheureusement, c'est je dirais une prise de position qui a un petit peu vampirisé le reste de mon travail. On m'identifie souvent un végan, ce que je ne suis pas. En fait, Oui, je je voulais reste. te demander justement, toi, tu te positionnes pas en tant que Non, végan, hein. je ne me positionne pas en tant que végan et surtout, je ne me positionne pas par rapport au choix de mon alimentation. Voilà. Je trouve que dès que tu dis je suis végan, je suis végétarien, voilà, on va te mettre dans une boîte et puis ça va être des discussions souvent stériles hein, avec des gens, des omnivores, des gens qui sont persuadés que la viande est nécessaire à notre santé et notre développement physique ou intellectuel. Ce que je ne nie pas, mais ce que je mets en avant aussi, c'est cet excès en fait d'alimentation à base de protéines animales. Et donc voilà, ça c'était le premier livre qui est agrémenté aussi de beaucoup de recettes. Hein. C'est une de mes compétences aussi. Beaucoup de photos aussi, c'est bien amené. Il y a une belle pagination, une belle mise en page. On peut voir, il y a ces deux. Hop, voilà. On a des doubles pages. Je suis désolé, on voit mal avec le fond à peu près. On a une belle mise en page, vraiment, le livre est vraiment propre. Beaucoup. J'ai travaillé beaucoup sur justement la mise en page et l'accès à la lecture, de par le choix des caractères également. C'est un livre qui est aéré et qui donne accès aux personnes qui n'ont pas forcément l'habitude comme nous, hein, de lire beaucoup de livres. Sachant que le livre, quand même, a un immense intérêt par rapport à la vidéo.
c'est qu'en lisant, on peut également réfléchir, on peut faire des pauses, on peut absorber ce qu'on lit. Tandis que lorsqu'on regarde une vidéo, assez rarement on fait des pauses ou on On regarde rien. subit. Donc voilà, on subit, on absorbe et on ne comprend pas forcément tout. Voilà. Donc c'est l'immense intérêt du livre, mais malheureusement, il y a de moins en moins de personnes qui prennent du plaisir comme ça à lire et qui prennent du temps pour la lecture. Le deuxième livre, par contre, le tome 2, j'amène la problématique beaucoup plus loin dans une certaine analyse sociétale. C'est les dérives donc, de cette société toxique. Je parle de l'éducation. Je parle également du monde du travail qui nous a servi. Et je parle également de la résilience. Je n'emploie pas volontairement le terme survivalisme parce que c'est un terme aujourd'hui qui est complètement galvaudé ou mal compris. La résilience, c'est le mode de vie de nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, tout dépend de l'âge que l'on a, qui avait un minimum, je dirais, d'autonomie, que ce soit des réserves alimentaires, que ce soit, voilà, ils savaient se débrouiller sans forcément avoir besoin des aides de l'État. Donc, c'est un minimum de choses à mettre en place. Il y a des principes de base. Et je parle de tout ça, en fait, dans mon livre. Je fais des livres qui sont assez originaux parce que je ne parle pas d'un thème précis. J'assemble divers faits. Je vais à la rencontre de personnes qui viennent d'horizons différents, que ce soit Nicole Delépine, qui est une cancérologue avec Oui. son mari Gérard Delépine, que tu connais, et qui sont, voilà, qui sont extrêmement pertinents quant à la puissance justement des lobbies. Je décris donc cette dégradation, cette dégringolade du système de santé français depuis les années 80, depuis l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, et donc cette paupérisation voilà, de notre système de santé depuis ces années-là. Donc en fait, je ne suis pas vraiment étonné de la situation qu'on connaît aujourd'hui en fait, dans les hôpitaux, et je pense que les professionnels de la santé ne sont pas aussi surpris. Qui aujourd'hui, je dirais, des encombrements dans les hôpitaux, des saturations, des services de réanimation, parce que voilà, il y a de moins en moins de lits, de moins en moins de budget alloué, et la volonté vraiment de l'État, c'est de vendre hein, un petit peu, on va découper ça comme des tranches d'un fromage ou d'un jambon, et puis vendre l'hôpital à la découpe. Oui, c'est ça. Et voilà. Ça On a me... connu ça avec l'énergie, on a connu ça avec les télécoms, etc. Donc, Oui, c'est vrai, donc c'est un livre voilà, qui va faire, j'espère, prendre conscience qu'on vit dans une société qui est un peu comme la matrice que décrit Néo dans le film. C'est dès qu'on ouvre cette porte d'une autre réalité, en fait, qui est vraiment la société telle qu'elle est. On commence à mettre des mots sur des problèmes en fait, qu'on n'était pas forcément conscient de subir. Alors, tu vas voir, tu étais voir quand même des gens de milieux différents, c'est très éclectique, les personnes que tu as interrogées. On a des gens qui viennent des milieux de la musique, il y a un fermier aussi, un peu ermite, si j'ai bien compris. Tu peux nous parler un Ouais, peu de tout à fait. ce choix En très fait, j'ai éclectique, c'est des gens vécu, que tu connaissais ou j'ai vécu personnellement? le. Non, c'est des gens que j'ai rencontrés au hasard de la vie. Donc c'est un fermier en fait qui était pas très loin de chez nous. J'ai vécu en campagne, isolé, hein, au fin fond du Québec, dans une contrée qui s'appelle la Mauricie, qui est très sauvage. Donc on a vécu dans une maison assez isolée. On a vécu également dans les grandes métropoles, hein, que ce soit New York et Montréal. Mais on s'est isolé pendant 2 ans dans les bois, justement, pour écrire ce livre avec mon épouse, qui travaille avec moi, qui est mon éditrice également, parce que ça, pour moi, c'est très important. Je suis un auteur indépendant, en fait. Donc, on gère aussi nos propres éditions, on ne dépend de personne. Donc, j'ai la parole libre. J'ai reçu énormément en fait, de sollicitations, de sponsoring, vu le succès énorme du premier livre. J'ai refusé en fait tout en bloc.
Je ne reçois aucun financement, que ce soit de marque, de service ou peu importe. Pour moi, ça, c'est important. Voilà, je ne demande pas qu'on me croie sur parole, mais en tout cas, mes propos sont honnêtes et n'ont aucun intérêt financier, sinon celui de communiquer autour de mon travail, de mes livres ou du club. Et donc, voilà, ce fermier travaillait sa terre juste à côté de notre ferme. Et on l'a rencontré. C'est comme tu rencontres des gens par hasard. Bon, voilà, notre rencontre n'est pas fortuite également. Hein. C'est un ami commun qui nous a mis en contact. Ce sont les choses de la vie. Et puis, mes enquêtes, en fait, je les ai menées un peu au hasard de mes rencontres. C'est pour ça que il y a beaucoup de personnes qui sont très différentes, qui viennent, comme tu le dis, d'univers différents, qui interviennent dans mes livres. J'interviewe en fait des personnes qui ont la légitimité de dire ce qu'elle dit sur certains sujets, qui ont la légitimité donc de le dire, puisqu'elles ont l'expérience. Et ensuite, j'écris sous forme de chronique, donc c'est un peu particulier, parce que c'est des chroniques qui sont relativement courtes. Et qui vont synthétiser, voilà, une pensée ou un concept ou établir des faits, des liens. Et je lis le tout avec, comme tu l'as dit, des interviews avec des musiciens, parce que je viens également de ce milieu-là. Et notamment le rock il y a toujours beaucoup de préjugés autour de cette musique-là, hein, au niveau d'une hygiène de vie pas forcément très saine. Et c'est le contraire qui est en train de se passer depuis plusieurs décennies. Des rockers qui jouent depuis plus de 50 ans et qui ont une hygiène de vie qui est je dirais qui est assez stricte. Voilà, pour tenir jusqu'à aujourd'hui avec tous les excès qu'ils ont fait dans leur jeunesse. Donc j'ai trouvé ça intéressant de m'en servir comme fil conducteur. Voilà, ça donne à mes livres en fait une grande originalité. Je pense qu'il n'y a pas d'équivalent dans mon milieu. Très fluide, ça se lit vraiment bien, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Donc même pour les gens qui sont un peu paresseux, vous pouvez vous plonger très rapidement et vraiment simplement dans ton ouvrage. C'est ça qui est bien. Je trouve ça assez pertinent. Tu en viens au fait assez rapidement. D'ailleurs, tu parles dans It 2 de l'importance qu'il peut y avoir pour la lecture. Tu as consacré un chapitre. Oui. Sur cela, c'est vrai, tu peux passer donc l'alimentation, la résilience, comment dirais-je, survivalisme aussi, tu en as parlé, même tu as interrogé Piero San Giorgio, que l'on salue, que l'on connaît tous les deux. Mais oui, tu as intégré la lecture, ça c'est, j'étais très heureux de trouver cela dans ton ouvrage. Tu peux nous parler un petit peu de ta démarche Je suis fils d'imprimeur, donc Oui. j'ai baigné en fait. Mon père n'était pas forcément un imprimeur de livres, en fait, c'était plutôt un imprimeur de ville. Hein. Il a commencé artisan, typographe en 64. Donc moi, j'ai grandi en fait dans l'imprimerie. Hein. Je travaillais très tôt comme apprenti. L'été, tu sais, quand on faisait des petits jobs pour avoir un peu d'argent de poche, tout ça. Donc voilà, les presses offset, les presses typo à l'époque, les caractères en plomb que j'ai encore gardés avec ces casses magnifiques. Donc, faisait partie en fait de mon quotidien. J'étais pas forcément un grand lecteur. J'étais un grand fan de bande dessinée, par contre. Mais voilà, j'étais pas forcément un gros lecteur. Et je me suis remis à lire un petit peu plus tard et de façon de plus en plus intense. Et j'ai remarqué que et c'est les études qui confirment ça également. Hein. On a une activité cérébrale qui est beaucoup plus haute lorsqu'on lit que lorsqu'on regarde la télévision. Et le fait de lire des mots, des phrases, permet d'améliorer son expression orale également et de mieux assimiler des mots ou des concepts. Et pour moi, la lecture est devenue je dirais ma bouée de sauvetage. Parce que je travaille énormément sur les réseaux sociaux. Bon, contrairement à toi, moi, mon principal, je dirais, flux de diffusion, c'est Instagram.
parce que j'aime bien marier les photos avec mes chroniques qui sont relativement courtes. Parce que tu sais, sur Instagram, tu peux mettre juste 2000 caractères. Donc, tu sais ce que D'accord. c'est, 2000 caractères. C'est même pas une page A4, Je encore ne le moins. savais même pas, j'utilise Instagram, je ne savais même pas. Je suis ton fil d'actualité. Mais il faut juste comprendre en fait comment fonctionnent l'ensemble des réseaux sociaux. Mais donc, je suis assez suivi en fait sur Instagram, puisque j'ai la possibilité aussi de m'exprimer au niveau oral. Parce que là aussi, l'originalité de mon travail, c'est que je ne me satisfais pas uniquement je dirais de l'écrit, des livres. Je fais également des show-conférences. Donc, je me produis un spectacle. C'est une forme de stand-up. Malheureusement, depuis 2 ans, je ne peux plus en faire. Et je me suis rattrapé en m'exprimant oralement sur, par exemple, des réseaux sociaux comme Instagram. Et pour moi, ça, voilà, c'est important d'utiliser les nouveaux outils aujourd'hui pour diffuser notre travail, même si notre travail reste essentiellement, et toi également, c'est le livre. Voilà. Mais on ne peut pas se passer aujourd'hui de ces nouveaux outils pour assurer ne serait-ce que notre promotion, parce que ni toi ni moi ne passons dans les médias mainstream, en fait. Moi, j'y suis beaucoup passé au début pour It. Mais je me suis rapidement blacklisté à la sortie du deuxième parce que j'ai franchi la ligne rouge. J'ai parlé en fait des lobbies de l'industrie pharmaceutique. Voilà. Comment ils influençaient la politique de tout ce qui est soins autour du cancer. Et ça, c'est pas un domaine voilà, où il est bon de parler, notamment dans les médias mainstream. Donc, j'ai eu aucune couverture média pour le deuxième. Ce qui est un peu dommage parce que voilà, le deuxième, je dirais, est encore meilleur que le premier, mais on se rend compte que les réseaux sociaux nous enferment dans une certaine bulle et que si on n'a plus accès au mainstream, ça devient très compliqué, voilà, de vivre uniquement via les réseaux sociaux. Bon, je ne vais pas me plaindre, ça marche plutôt très bien, mais l'inconvénient, c'est que je réponds quasiment bon, à toutes les sollicitations ou les messages où je lis aussi ce qui se passe donc sur les réseaux sociaux. Et là, c'est la catastrophe. Au niveau de l'orthographe, au niveau de la syntaxe, au niveau de la grammaire, je me suis aperçu que j'avais en fait perdu énormément. Tu vois, le fait d'arrêter les conférences, de lire de plus en plus ce qui se passait sur les réseaux sociaux, avec une faute quasiment à tous les mots. Je me dois de rattraper tout ça avec encore plus de lecture. C'est-à-dire que la lecture aujourd'hui contrebalance tout le négatif en fait que je me bouffe quasiment au quotidien. Voilà. Et pour moi là donc la lecture est essentielle. Voilà. Si on n'a pas un minimum de bagage linguistique, de mots, on peut pas exprimer notre pensée. Voilà. Pas de mots, pas de pensée. Voilà. Il s'avère aujourd'hui, on le constate, je dirais tous les jours, au quotidien, je trouve que les personnes ont de plus en plus de mal à exprimer leurs idées. Parce que d'une part, elles regardent trop les médias mainstream, trop la télévision. On peut parler d'un sujet chaud, hein, qui est la guerre là, en Ukraine, on est en plein dedans. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas de discuter avec une personne qui regarde juste les médias mainstream. Je sais par cœur ce qu'elle va me dire. Et elle me répète, juste comme un petit perroquet. Si tu as les deux sons de cloche, c'est-à-dire moi, je ne me déconnecte pas des médias mainstream, je reste encore connecté un peu sur les médias mainstream, j'écoute bon, juste un quart d'heure par jour, France Info, ça me suffit. Je constate donc que la propagande est là, elle est active. En tout cas, il y a un seul prisme, un seul point de vue. En plus, il y a aujourd'hui RT qui est censuré, Spoutnik également, donc on n'a plus de contrepoids. Moi, ça ne me choque pas. On est en guerre aujourd'hui, c'est normal de couper, je dirais, l'information de notre ennemi, même si nous, on le déplore, évidemment. Mais bon. Donc voilà, bon, pour suivre RT, vous le savez, hein, il faut avoir un VPN, on se connecte sur un serveur à Hong Kong et puis on est RT, voilà, il diffuse encore sur Internet. Bon. Mais je me rends compte qu'il y a une pauvreté au niveau de linguistique et cette pauvreté se ressent au niveau de l'expression des idées, des pensées. Voilà. Quelquefois, je me dois de décrypter ce que me dit la personne en face de moi. C'est assez problématique et la solution, c'est
diminuer en fait son temps devant les écrans, vraiment, réseaux sociaux compris, et de se plonger dans la lecture. Le gros avantage en fait de la lecture, tu as eu l'amabilité de montrer mes ouvrages. Lorsque tu prends cet ouvrage, tu l'as dans les mains, tu vas rester focus là-dedans. Tu vas rester focus dans le livre. Tu ne vas pas avoir une petite fenêtre qui va, tu vois, d'un coup se mettre donc sur ton écran et t'inciter à aller voir ailleurs. Voilà. Donc c'est reposant, la lecture également. Donc c'est conseillé avant de dormir de se faire cette pause. Bon, mais malheureusement, quand tu lis le soir, tu es fatigué, tu lis très peu. Généralement, tu lis un quart d'heure, après tu t'endors. Et bon, moi je conseille de lire au minimum, voilà, une demi-heure, voire une heure par jour. Ce serait quand même, ce serait bien. Voilà. Et de lire, non pas des coupures de journaux ou du magazine. Les magazines aussi, c'est une perte de temps incroyable, le magazine. C'est une perte de temps incroyable. Pour moi, si tu veux les magazines, c'est du zapping. Donc, sauf pour des magazines spécialisés. Bon, je suis abonné à un magazine qui s'appelle Rockhard, tu vois, qui est sur le métal, le hard rock, voilà, des années 70, 80 et même aujourd'hui. C'est un mensuel, je prends plaisir, c'est pour mon divertissement, c'est pour ma culture musicale, tu vois. Donc, par contre, je lis énormément, que ce soit des bios aussi, musical, des livres beaucoup plus sérieux, le tien que tu as eu l'amabilité de m'offrir avec une très belle dédicace, et je vois que tu écris encore à la plume. Je dirais là aussi, hein, qui écrit à la plume aujourd'hui? Même plus notre président. Tu vois, ce soir, je vais faire une émission qui s'appelle Punch, où je vais décrypter le clip de campagne d'Emmanuel Macron, Oui. qui est impressionnant, voilà, de maîtrise, qui préfigure ce que va être aussi la communication politique dans les années à venir. Donc voilà, je vais le décrypter. Et puis, on le voit dans ce clip, signé. Déjà, il signe avec un feutre. Donc, c'est plus une petite plume ou quoi, tu Le vois, c'est un clochard. feutre bleu. En général, les signatures, c'est en noir, tu vois. Pourquoi? Donc voilà, je Un reviens toujours. pingre. J'ai remarqué que tu as en fait dédicace était écrite à la plume. Très, très peu de personnes écrivent à la plume. Tu vois, moi, j'écris souvent avec des stylos Bic. Voilà. J'aime bien voilà, ce type de stylo. C'est un détail. Mais là aussi, je dirais, on écrit de moins en moins. On écrit de moins en moins. Par contre, on est très bon, tu vois, avec les pouces. Voilà. Alors, tu sais, si on se met à, c'est vrai qu'à écrire, on prend l'exemple de Louis Ferdinand Céline. Lui, lorsqu'il est arrivé chez son éditeur De Noël et Style pour lui soumettre Le Voyage au bout de la nuit, il avait une brouette entière. Il est venu avec une brouette entière de pages. C'est-à-dire son rite d'écriture était de ensuite mettre sur des cordes à linge avec des pinces à linge, accrocher ses pages et il relisait. Comme ça, il essayait dans sa pièce, dans son cabinet de travail, tout était. Tu avais des cordes à linge partout avec ces feuilles qui traînaient. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pratique. Alors, moi, je ne suis pas un aficionado des objets numériques, mais c'est vrai que c'est assez pratique. On écrit beaucoup plus vite, on revient, moins de ratures, c'est plus lisible. C'est vrai que ça peut aider. Mais tu as raison, si on revenait justement à d'écriture réelle, parce que déjà la mémoire comment pourrais-je dire, arrive mieux à se projeter sur une écriture manuscrite que sur une écriture dite numérique, hein, dans le Très sens bien. où on voit, je fais des fautes sur du numérique, mais je ne les fais pas à la plume. Tu vois? Tu parlais de ça tout à l'heure, à force de lire ceci ou cela. Ouais. Ça abîme un petit peu l'intellect. Ouais. D'ailleurs, je voulais te demander, pour rebondir là-dessus, tu sais que tu lis pas mal, quel type d'ouvrage tu lis, quel type de lecture et qu'est-ce que tu conseillerais justement à nos auditeurs? Je pense qu'il faut trouver le livre ou les livres qui suscitent un intérêt. Moi, je vais te parler de ma passion, c'est la musique. Bon, c'est peut-être anecdotique pour certains d'entre vous qui nous regardez. Moi, très tôt, j'étais musicien, ensuite j'étais professionnel, j'étais également producteur. Je continue à faire de la musique, mais
Je m'intéresse énormément aux biographies de musiciens, plutôt dans le rock, parce que je suis né dans le rock, c'est une musique que j'affectionne particulièrement. Mais je te prends juste un exemple avec une immense star, un génie qui s'appelait David Bowie. Et je lis ça, en fait, sa bio, David Bowie, tu sais, est apparu fin des années 60. Et si tu veux, j'ai une analyse sociétale, en fait, du travail de David Bowie. Parce que notamment par rapport à cette révolution de mai 68, cette révolution libertaire. Et c'est intéressant d'avoir comme ça une lecture qui est multiple. C'est-à-dire, ce n'est pas uniquement un musicien, ce n'est pas juste une histoire. Tu peux replonger dans cette époque et comprendre comment cette époque s'est transformée. Et il y a des musiciens qui font partie des artistes, ça fait partie de la culture, qui ont accompagné tout ça. C'est magique parce que, en plus, si on aime cet artiste, on se replonge dans la musique, on comprend pourquoi il a écrit, je dirais, tel et tel titre, pourquoi il a produit tel et tel album, dans le contexte aussi, tu vois, sociétal. Il y en a qui ne s'intéressent pas, il y en a qui s'intéressent juste à la musique, tu vois, le reste, ça ne les intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vie d'un artiste ou d'un groupe, hein, que ce soit des groupes anglais ou des groupes américains comme Aerosmith, ou il y a toujours de très bonnes choses en fait à retirer. Donc trouver un livre, déjà bon, il faut qu'il soit aussi bien écrit parce que malheureusement il y a beaucoup de livres notamment qui sont traduits de l'anglais, qui sont pas forcément de très bonnes traductions, mais il y a des auteurs également français, des auteurs même de romans. Il faut trouver juste le bon auteur ou le thème qui va nous permettre justement de nous plonger dans un monde soit imaginaire ou d'apprendre des choses qui vont nous passionner, qui vont nous servir aussi, que ce soit pour notre culture en général ou notre compréhension du quotidien. Donc je pense que ma bibliothèque est et sans doute plus modeste que la tienne, mais tu vois, elle se trouve sur ma gauche, j'ai quand même plusieurs centaines de livres. Voilà, j'étudie beaucoup aujourd'hui tout ce qui se passe au niveau sociétal. Moi, l'ingénierie sociale me passionne. Mm-hmm. Donc, je sais que tu as des intervenants sur ta chaîne. Sur Cerise, notamment. Cerise, Plaquevent également. Du Francis Cousin. Je sais que tu étais très proche de Francis Cousin. Bon, oui. Tout ça, ce sont des auteurs, L'être ou l'avoir, je l'ai. Tu vois, voilà. Donc, petit à petit, ensuite, je suis allé sur des livres, entre guillemets, un petit peu plus pointus. Mais c'est tellement différent. Je ne peux pas conseiller aujourd'hui un livre parce que voilà, ceux qui nous regardent ont des goûts certainement très différents les uns des autres. Mais il faut choisir une lecture ou un sujet qui nous intéresse. Voilà. Et éviter de lire des magazines. Les magazines, c'est de la perte de temps. Vous gardez les magazines éventuellement lorsque vous allez consulter votre toubib, si vous avez besoin de consulter un toubib. La littérature de salle d'attente. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Hormis, je te dis, voilà, certains magazines qui sont vraiment spécialisés pour des, voilà, il y a des passionnés de moto ou de voiture ou quoi, des trucs. Mais les magazines, tu vois, généralistes. En plus, il y avait avant la presse féminine, maintenant, tu sais, il y a la presse masculine. Pour moi, c'est du zapping, en fait, tu vois. Il y a une chronique dans le tome 2 qui dit, voilà, c'est pas en 15 minutes que tu vas apprendre tout d'un sujet. Tu vas juste l'effleurer, voilà. Et en l'effleurant, tu vas de suite l'oublier lorsque tu vas lire l'autre sujet qui arrive derrière. Tandis qu'un livre, on peut approfondir, et puis il y a des livres qui sont magiques. Donc, je sais que tu aimes la grande littérature, hein, tu nous as fait partager tes goûts avec passion. Tu vois, dans notre émission que je partagerai, que je mettrai en public d'ici peu. Et en tout cas, je sais que tu as donné envie à certains membres d'aller lire. Espérons. Des livres qu'ils ont recommandés. C'est pas des livres qui datent d'hier, hein, mais il y a vraiment une très, très grande littérature en France et tu la portes très bien, en tout cas, tu la représentes très bien. Tu donnes envie, voilà. Et je pense qu'il faut donner envie. Moi, ce que je veux, c'est oui, donner envie. Voilà, d'approfondir. Si mes propos vous ont séduit, voilà, prenez le temps d'aller découvrir ce que je fais, ce que je produis sur les réseaux sociaux, ou venir dans le club, ne serait-ce pendant un mois, vous verrez la production est pléthore, elle est énorme. Hein. J'ai fait quasiment 600 émissions là, en 2 ans. C'est énorme.
puis vous allez découvrir des gens extraordinaires comme Alexis Chevarnet, tu vois, qui vient, ou Marie Souila, qui était là également, qui a fait une émission sur la manipulation mentale. Voilà. Manipulation mentale, et elle a fait une autre émission intervenue sur les faux prophètes, avec deux autres invités, Pascal et Docteur Fouad, je crois, c'est ça ? C'est ça, c'est ça. Les faux prophètes, c'est vrai, on a beaucoup aujourd'hui de prophètes ou de gourous en tout genre. Hein, ce sont des gens qui sont autoproclamés, que ce soit sur Internet ou sur les médias aussi mainstream. Hein, on a aujourd'hui des gens qui parlent et on se demande quelle est leur légitimité. Quelle est leur légitimité ? Moi, tu vois, je me pose encore des questions hein, concernant des personnes comme BHL ou Guzman, tu vois, qui sont et qui s'expriment par rapport à la guerre. Je suis sceptique, tu vois. Quelle est aujourd'hui leur légitimité ? Donc, bon, je pourrais te citer aussi beaucoup d'autres personnes, mais bon, je n'ai pas envie de me faire des ennemis aussi. Je suis toujours dans la critique, mais je pense que c'est une question légitime. C'est une question qu'on doit se poser. On voit toujours les mêmes dans les médias mainstream, donc... Le problème, c'est que ces médias aujourd'hui sont, pour moi, l'arme vraiment de destruction massive. En fait, c'est une tyrannie intellectuelle, et on ne peut pas uniquement on ne peut pas s'en satisfaire, se réduire à ça. Alors, justement, je vais rebondir là-dessus parce que moi, je suis un peu extrême dans ce que je fais. C'est pour moi. Ça, j'ai toujours fonctionné comme ça. Je suis déconnecté de partout. Mais dans l'absolu, je ne regarde ni vidéo, j'écoute rien, je le sais de par les relais qu'il y a sur les quelques réseaux sociaux, tu sais, sur Telegram, où j'en parle avec d'autres personnes, je suis plongé simplement dans la lecture, ce genre de choses, mais c'est ma dose à moi. Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, aux gens, justement, parce que c'est assez salingue tout le flux d'images qui nous est balancé, les faux commentaires, les avis sur tout aussi, hein, comme tu parlais de légitimité. Oui. Tu as des gens qui ont un avis sur tout, qui viennent, interviennent, donnent leur avis sur ce sujet. C'était comme à l'époque de... Je vais reprendre l'exemple de Céline, quand les pamphlets de Céline étaient remis sur la table pour être potentiellement réimprimés, réédités chez Gallimard. Tu as tout un tas de spécialistes et non-spécialistes qui sont venus s'exprimer sur le sujet, qui n'avaient aucune légitimité. C'est vraiment ridicule, ils ne connaissaient pas, ils ne les avaient jamais lus, ils ont dû simplement les feuilleter juste avant émission. Qu'est-ce que tu dirais, toi ? Comment doserais-tu ? Est-ce qu'il faut quand même s'informer avec, chose que tu fais, un minimum sur les médias mainstream pour prendre la température ? Ils en sont où ? Je pense que ça, c'est important. Hein. Moi, ça ne me convient pas parce que je sature. Ouais. Comment tu vois ça, comment tu pourrais, enfin, quel conseil tu pourrais donner aux gens? Justement, c'était le thème de ma dernière. Je fais beaucoup de digressions, en fait, qui sont des envolées comme ça, verbales, que je fais souvent entre midi et deux dans ma voiture. Et je les diffuse en public sur YouTube. Et là, j'en ai fait une juste ce midi qui s'appelait La dictature de l'info. En fait, je pense qu'il faut rester connecté avec le réel. C'est pour ça que j'écoute, moi, 15 minutes de France Info, ça me suffit. Je vois la tendance. Surtout que tous les journalistes aujourd'hui, c'est Pierre Barnieras qui me disait ça. Pierre Barnieras, c'est le réalisateur du film Hold Up, qui est intervenu sur ma chaîne, qui me disait que les journalistes aujourd'hui, c'était des speakerines. Parce que tous les journalistes aujourd'hui vont s'abreuver auprès de la même source. Il y a trois sources d'information. Il y a Reuters, il y a l'AFP, et le troisième, je ne me souviens plus. Bon, en France, c'est souvent l'AFP, donc l'agence France Presse. Et donc, tous les journalistes vont, le matin, ils vont piocher, ils vont faire leur marché, si tu veux, ils te rabâchent les mêmes choses. Ce n'est pas du tout du journalisme d'investigation. Hein. Journalisme d'investigation, hein, le canard enchaîné ou Mediapart, hein, c'est des informations qui arrivent directement dans la boîte aux lettres. Hein, d'accord. Donc, il n'y a plus aujourd'hui de journalisme d'investigation, tout est à la source. Donc, ce n'est pas la peine de passer du temps sur les médias mainstream, surtout sur l'information. Voilà. Peut-être garder 10-15 minutes. L'avantage de France Info, c'est qu'ils se font des récapitulatifs, tu vois, qui sont assez succincts, assez courts. Bon. Par contre, pour le reste, moi, je ne bannirai pas les réseaux sociaux. Il y a du très, très, très bon sur les réseaux sociaux, du très bon. Que ce soit sur les fils Telegram, que ce soit sur... de l'Instagram ou même du Facebook.
Pour ça, il ne faut pas être pollué par tous nos abonnements. Le problème, c'est que nous sommes nombreux à être sur les réseaux sociaux, que nos comptes ont bien sûr plusieurs années, quelquefois même 10 ans, voire plus, et qu'on a accumulé comme ça des abonnements, hein, des j'aime, des likes et tout. Bon. Donc, si vous avez un fil, je dirais Instagram, où vous avez 1000 abonnements, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas avoir 1000 abonnements. En plus, les gens postent quasiment pas tous les jours, mais bon. Donc, il faut déjà faire un tri. Et vous pouvez également avoir un autre compte qui soit, j'appelle ça un compte professionnel ou un compte éducatif ou culturel. Là, vous partez de zéro et vous allez vous abonner. Vous repartez même sur une nouvelle chaîne sur YouTube, tu vois, faire un nouvel abonnement. Voilà. Des Paluches et des Bouquins, Gilles Lartigot, enfin, diverses personnes qui suscitent en vous un intérêt. Voilà. Comment choisir ces personnes? Ben, vous saurez les reconnaître, en tous les cas. Appuyez-vous sur des gens qui ont de l'expérience, appuyez-vous sur des gens qui ont produit un travail, qui ne sont pas justement juste des youtubeurs ou des blogueurs. C'est très facile aujourd'hui de produire un livre, que ce soit en auto-édition, il y a même du e-book, etc. Voyez si ce livre, alors le critère de la vente, c'est pour ça que je ne voulais pas que tu dises forcément le nombre d'exemplaires que j'ai vendus, parce que pour moi, c'est pas garant de qualité, en fait. C'est vrai. Tu vois très souvent ce que même s'il est de qualité, le tien est de qualité. Hein. Tu ne serais pas venu sinon. Tu ne serais pas venu sinon. Je suis élitiste. Je suis très fier qu'ils soient tous les deux dans ta bibliothèque. Tu m'as dit qu'ils étaient moi. Voilà, belle dédicace, avec une magnifique signature très grande qui court sur la page. J'ai beaucoup aimé. Donc pour en revenir voilà, au travail, mesurer le travail qui est effectué par ces personnes et faites-vous votre shortlist. Voilà. Et ce n'est pas la peine d'avoir 50 ou 100 personnes. Voilà. 10, 20, 30, voilà, grand maximum, et vous vous concentrez sur ces personnes-là. On ne peut pas tout savoir. Il va falloir, prendre des priorités, choisir des priorités. Voilà. Il faut choisir des priorités. Donc, avoir cette shortlist, tu vois, que tu peux suivre sur les réseaux sociaux et les gens qui interviennent sur ta chaîne, Alexis, la plupart ont des comptes, que ce soit Telegram, tu vois, ou même, je ne suis pas très Twitter, mais Twitter aussi, il y a des comptes qui sont incroyables sur Twitter. Prends Youssef Indy, par exemple, qui est très… Youssef, voilà. Donc, Youssef Indy, bon, vous vous connectez au Youssef Indy, voilà. Et puis, vous allez là vous abonner à votre source, pas à la source des soi-disant journalistes qui vont à l'AFP, quoi. Voilà. Et des gens qui vont commenter l'actualité, non pas comme des commentateurs sportifs, mais qui vont l'analyser et qui vont produire leur propre pensée. Après, à vous voilà, de digérer cette pensée, de la faire vôtre et de la comparer avec ce que vous écoutez par ailleurs. Voilà, et vous allez grandir très rapidement grâce à ça, très rapidement. Donc, il ne faut pas se couper des réseaux sociaux ni des médias mainstream, mais faire un choix et surtout avoir une sélection, voilà, une shortlist. Une shortlist que vous pouvez aussi changer hein, de temps en temps. Peut-être que la personne que vous suivez qui raconte peut-être toujours les mêmes choses ou vous vous enlacez peut-être, ben, vous pouvez changer. Donc, ou vous éjectez une personne, vous la remplacez. Voilà. Faites une shortlist et vous verrez que l'information elle est super fluide. Après, il y a diverses techniques pour écouter. Moi, j'écoute énormément de podcasts. Même tes vidéos, je les écoute uniquement avec le son. Je n'ai pas besoin. Oui, tu m'avais dit oui. Voilà. Même voilà, vous avez vu nos gueules, bon, vous pouvez éteindre l'écran. Voilà, concentrez-vous sur les paroles et le son. Et donc, là, il y a plein de moyens, que ce soit dans les transports en commun, que ce soit dans la voiture. Dans la voiture, qu'est-ce que tu veux faire quand il y a un coïncide dans les embouteillages? N'allume pas la radio. N'allume pas la radio. Un petit peu de musique de temps en temps. Mais voilà, mets-toi, branche-toi voilà, sur un podcast où tu mets une vidéo YouTube sans forcément regarder l'image, mais tu entends le son. Et on peut, avec YouTube, voilà, y a l'onglet à regarder plus tard. Moi, je mets tout ça dans cet onglet, si tu veux, à regarder plus tard. Des fois, je le nettoie parce que je n'ai pas le temps de tout écouter. Mais bon, tu sais que je fais beaucoup de sport, je fais quasiment 2 heures de sport au quotidien. Et oui. Ben pendant le sport, je m'écoute. Voilà. Ce matin, je me suis écouté Les Paluches et les Bouquins. Voilà. Donc, avec Moreau, Cerise et Plaquevent.
Ben, j'ai passé mon heure et demie, si tu veux, le cardio et tout. Au moins, je me suis nourri intellectuellement. Tu vois. Ah, ils sont bons tous les trois, c'est une belle brochette, hein, je puis dire. C'est super agréable. Tu vois, très souvent, je vois, je fais du coaching également, mais bon, quand on est à deux, on se parle, voilà, on n'a pas les écouteurs, mais quand on fait du sport tout seul, moi, j'ai arrêté la musique depuis des mois, voire des années maintenant, et pourtant, j'adore la musique, mais je mets aujourd'hui en fond sonore lorsque je travaille, mais je l'écoute différemment. Donc, je passe énormément de temps à écouter, et vous pouvez trouver aussi ce temps-là, parce que vous avez des temps morts pendant la journée. Je connais un ami aussi qui travaille malheureusement en usine, qui a un travail assez rébarbatif. En plus, ils ont des casques, bon, parce qu'il y a du bruit, tu vois. Alors, il a son casque, donc il a ses écouteurs, tu vois. Et il me dit, écoute, je me fais quasiment du 7 heures de podcast par jour. Ah oui. Par jour. Eh ben, écoute, en 2 ans, il a accumulé des connaissances qui sont impressionnantes. Oui, il s'est formé, hein. Donc, lui, en fait, il n'allait plus au travail. Il était en formation, tu vois. C'est-à-dire qu'il faisait un travail, voilà, à la chaîne, tu vois, tu n'as pas besoin de réfléchir. Et c'est fantastique, en fait. Moi, des fois, je pars à la gym, je t'assure, je pars et j'ai hâte d'écouter ce que tu vois, j'ai mis dans la colonne à regarder plus tard. Et puis voilà, il y a vraiment des choses incroyables aujourd'hui sur les réseaux sociaux et il ne faut pas s'en priver. Voilà. Il ne faut pas s'en priver, il faut juste trouver le temps de pouvoir les écouter. Très bien, très bien, très bien. La question religieuse, Gilles, si tu veux en Oui. discuter, toi, où te places-tu à peu près? Est-ce que tu penses que justement le retour du catholicisme en France pourrait faire beaucoup de bien? Voilà. Donc, tu es d'accord, c'est la condition sine qua non pour que l'anthropologie française puisse renaître telle qu'elle le fut Je par le. sais pas, je parle pas souvent de religion, de foi. Je Moi, sais. j'ai été baptisé. J'étais baptisé, je ne renie pas du tout. J'ai retrouvé la foi il y a 2 ou 3 ans. Je ne saurais pas comment en parler. En tout cas, voilà, je trouve qu'on vit aujourd'hui une période qui est compliquée et qu'on n'arrive pas à comprendre. Si on ne connaît pas réellement les enjeux. Et je pense que les enjeux vont au-delà du quotidien et des problèmes matériels. Voilà. Je pense que la religion, en tout cas la foi, est particulièrement présente et de plus en plus présente, en fait. Je trouve que les personnes se raccrochent de plus en plus à la foi. Non pas par désespoir, hein, pas du tout, mais voilà, je suis pas très à l'aise en fait pour en Donc, parler. disons qu'on en parle beaucoup plus ouvertement maintenant, tu vois, il y a cette espèce de saturation de tout, hein, depuis ces dernières années, hein, que ce soit saturation d'idéologie, saturation de marchandises, saturation de tout dans l'absolu, hein, on arrive complètement au bout, et les gens reviennent au transcendant, au divin. Forcément, il y a un moment où on est coupé, tu sais, du contemplatif à cause de la verticalité, à cause d'un tas de choses qui nous polluent. Par exemple, moi, je suis coupé de tout, c'est ce que je le répète, parce que j'ai besoin de réfléchir, méditer, lire énormément, voir des gens, vivre. Tu vois, ça, c'est très important. On parlait de Francis Cousin. C'est en cela que j'aime beaucoup Francis, parce que avec Francis, c'est un bon vivant, c'est quelqu'un qui aime la vie, il vit ce qu'il dit. Donc, c'est quelqu'un qui est sincère dans sa démarche. Et il aime les chiens, il aime les bonnes tables, c'est agréable des gens comme ça. Donc c'est ça le plus important aujourd'hui, c'est ce retour-là vers les gens, mais surtout vers le divin. Si la France doit être, elle doit forcément passer par cette case-là. Sans cela, on ne pourra pas revenir sur quelque chose de solide et de fiable. Bon.
On dit que la France est la fille aînée de l'Église, et je me suis rendu compte, je fais une émission qui s'appelle Histoire, donc je reviens sur l'histoire et surtout l'histoire de notre pays. Hein, il faut qu'on soit fiers, hein, d'être français, d'être né sur cette terre. Hein. L'histoire de la France, elle est incroyable. Elle est incroyable, mais elle a tellement été galvaudée, on n'a pas mis en valeur, si tu veux, ce roman national. Donc, bon, il y a des explications, hein, à tout ça. Hein. Je sais que tu en as parlé longuement avec certains invités également. Hein, voilà. Donc, ne serait-ce que Pierre Hilard. Bon. Mais je pense que la religion a été petit à petit oubliée, en tout cas moquée ou stigmatisée. Et en fait, c'est vrai qu'on a déserté les lieux religieux avec ce mode de vie moderne, hein, c'est certain. Mais il est toujours temps d'y revenir. Et je pense qu'on y revient naturellement. Et lorsqu'on s'intéresse vraiment à l'histoire, à toute la désinformation qu'il y a eu concernant les rois de France, concernant justement la religion qui a fait notre pays, qui a fait la France, ce lien entre l'Église et le roi, c'est que l'explication de notre peut-être de notre perdition aujourd'hui vient du fait qu'on n'ait plus foi en rien. En fait. Tu vois, je milite pas, je fais pas du tout le prosélytisme pour n'importe quelle religion. Mais j'en parle souvent avec un ami musulman et on échange à ce sujet de façon ouverte, tu vois, et franche. Et quand je parle de ce genre de choses à des personnes qui ne croient en rien, je leur dis, ben, vous croyez de toute façon, vous croyez vous aussi à quelque chose, c'est-à-dire vous ne croyez en rien. Voilà. Vous n'êtes pas nihiliste, mais bon. Je trouve ça assez triste, en fait, d'être dans ce monde matériel et de penser qu'après nous, ben, il y a le néant, en fait. Donc, on est là pour cette terre, sur cette terre, juste pour jouir, avoir cette jouissance immédiate. Bon. D'être dans ce spectacle permanent et de se raccrocher uniquement aux biens matériels, aux besoins, tu vois, nos envies de répondre comme ça à un plaisir, et de plus avoir de transcendance, de plus avoir l'envie de s'élever. Voilà. L'envie de s'élever, de grandir, d'apporter quelque chose aussi à notre histoire. Puis c'est Nous un sommes un peu cheminement. la somme de nos ancêtres. Hein. Nous sommes la somme de nos ancêtres. Et je ne pense pas qu'on leur rende hommage. Sans transition, nous aurons bientôt des émissions plus orientées justement religion avec des hommes d'église et non pas des moindres. Donc je ne vais pas dire pour le moment de qui il s'agit puisqu'elles n'ont pas été faites, mais ça a été validé. Vous verrez ça très bientôt. Ça viendra de temps en temps, donc nous traiterons certainement de la Somme, Saint Thomas d'Aquin, ce genre de travaux magnifiques et tant d'autres. Je ne vais pas en dire plus. Gilles, donc je représentais deux ouvrages. Nous avions Hit 2, qui est Des morts et des vivants, le tout premier tome de Hit, qui est Chronique d'un fauve dans la jungle alimentaire, et c'est les éditions Winterfield, donc qui sont les éditions de ta femme. Tu édites d'autres livres à part les tiens? Non. Non. Très Non. bien, très bien. Je vais mettre tout ça en lien dans la description. N'hésitez pas Merci. à vous les procurer. Je vais mettre aussi donc ta chaîne, le Hit Club. Allez vous Merci. abonner. Donc les émissions sont éclectiques, mais elles ont quand même un fil d'Ariane, hein, elles ne sont pas éclectiques, ça part dans tous les sens, il n'y a aucune anarchie, il y a une démarche réelle dans ces Très émissions. cohérent. Voilà, c'est cohérent, c'est exactement cela, c'est cohérent. Je vous encourage et puis ça permet aussi à Gilles de poursuivre ses travaux en vous y abonnant, vu que c'est vrai que YouTube, c'est la gratuité, on est habitué à la gratuité. N'hésitez pas à mettre comment dire, un petit don aussi, je ne sais pas si tu as des Tipeee ou ce genre de choses. Non, 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 je non, fonctionne avec ça, hein. C'est juste symbolique, c'est toujours encourageant.
Ni plus ni moins, on vit pas de cela, bien entendu. Mais c'est bien de participer aussi, que vous, auditeurs, vous soyez acteurs aussi de nos chaînes. C'est très très important, parce que c'est par cela qu'elles vont pouvoir perdurer, hein. Sans cela, elles ne perdureront pas, c'est sûr. À un moment, on se fatigue. J'ai eu des moments de fatigue aussi, où j'étais obligé de reposter des vidéos parce que je n'arrivais plus à en produire, j'arrivais plus à produire de contenu. Il ne faut pas que nous en arrivions là. Même à remettre en question la légitimité de nos chaînes, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on ne continue pas? Il faut continuer, je pense. Et puis ton travail participe à cela, Gilles. C'est très important. Donc une émission quasiment tous les jours, hein, c'est ça? Oui, une émission tous les jours. En fait, le gros avantage par rapport à YouTube, tu faisais allusion à la gratuité. L'avantage, moi, je produis, en fait, toutes mes émissions sont en direct. Donc, si les personnes sont disponibles pendant le direct, je les accueille dans le chat. Et donc, voilà, on fait par... Alors, j'ai horreur de ce mot communauté. Tu vois, je ne suis pas du tout communautaire. Mais voilà, on fait partie du même club. Et il y a souvent les mêmes habitués voilà, qui sont disponibles, les personnes qui viennent de temps en temps également. J'ai des murs où on peut échanger, où on peut se rencontrer aussi par région. C'est très important. Moi, je favorise aussi le lien social, tu vois, à travers le e-club. On fait des réunions comme ça dans différentes régions. Les gens se contactent et surtout peuvent dialoguer avec moi et mes intervenants en direct tous les jours sur le chat. Ça, c'est une grosse différence par rapport voilà, à des émissions aussi comme la tienne, qui sont de grand intérêt. Où voilà, à part mettre un commentaire, voilà, on n'est pas actif, si tu veux, on n'est pas acteur de cette chaîne. Et voilà, c'est la grosse différence du club où toutes les émissions sont en direct. Et ce soir, je te dis, c'est l'émission sur on va décrire donc ce clip de campagne du candidat. D'ailleurs, je vais t'envoyer le lien. Je pense que ça va beaucoup t'intéresser Oui, parce oui, que oui. je sais que dans le domaine aussi de l'audiovisuel, je ne sais pas si les personnes connaissent ton métier, mais en tout cas, je t'inviterai de nouveau dans la chaîne. Les gens ne connaissent pas mon métier, faut pas le dire. Voilà, on ne le dira pas. Et donc, voilà, je t'interviewerai sur ton métier parce que c'est extrêmement intéressant, en tout cas très surprenant. Il va falloir que tu le dises de toute façon à un moment Oui, donné. voilà. Bon, voilà. On se protège, c'est surtout ça, parce que Bien c'est sûr. des métiers qui sont très liés à la gauche bien-pensante, et en général, c'est pas évident. Oui, tout à fait. Enfin, moi, je ne fais pas, voilà, pas de prosélytisme, je suis très ouvert, tu vois, j'accueille tout le monde, je réponds à toutes les invitations. Je suis allé sur tout un tas, je dirais, voilà, que ce soit ta chaîne ou d'autres. Je réponds toujours favorablement. Et pourquoi je refuserais? Pourquoi je refuserais, même si les opinions qui sont véhiculées par cette chaîne ne me conviennent pas tous ou ne me conviennent pas du tout? Voilà, j'interviens vraiment de partout. Merci beaucoup pour ton invitation. En tout cas, c'est pour moi un honneur de participer Ça parmi m'a enfin, fait vraiment vraiment t'appelles mon chat plaisir. On de reviendra participer. sur le Hit Club. cassera une fenêtre, on s'invitera. Très bien, Merci. Gilles. Eh bien, merci infiniment d'être passé sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas à vous procurer tous ces ouvrages et aller sur le Hit Club. Tout est en lien dans la description. N'hésitez pas aussi à vous procurer mon roman, postfacé par Pierre Hillard, Le goût du silex, paru aux éditions du Verbe O. Voilà. Eh bien, merci, Gilles. À très Merci. bientôt. Merci, Alex. Merci, Allez, au Alexandre. revoir. Merci à vous.